Yo, yo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, sans grande surprise, je vais vous parler de Dragon Link qui est un deck que je joue depuis maintenant de longues années, j'ai joué de nombreuses versions. Je l'avais un petit peu mis de côté pour jouer des choses un peu plus méta. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec Dragon Link, c'est que c'est un deck, c'est un deck qui récompense le joueur, c'est mon point de vue. C'est un deck qui, plus tu le maîtrises, plus tu vas être bon avec, plus le deck en lui-même va devenir fort, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Le deck, dans le format, malgré le fait qu'il ait eu plein de hits à divers banlists, on rappelle LP, on rappelle Agarpain, on rappelle plein d'autres cartes qui ont été touchées, eh bien, il devient de plus en plus fort, en tout cas c'est mon impression, et surtout il s'adapte au fur et à mesure des métas, et ça c'est quelque chose d'extrêmement appréciable, puisque du coup ça veut dire que les cartes que tu as achetées il y a 2 ans, elles sont quasiment toutes réutilisables encore aujourd'hui, et ça franchement c'est top. L'une des raisons pour laquelle Dragon Link est toujours jouable, c'est que comme je l'évoquais juste avant, le deck a été touché par de nombreuses banlists, mais le corps Rocket en lui-même n'a jamais été touché, et en fait c'est vraiment ce corps-là dont on va se servir dans cette version du deck-là. Je tiens à préciser que la version que je joue, c'est une version qui est très ressemblante à celle de Volt ou celle de Guillaume Marron, qui ont d'ailleurs fait une excellente vidéo, je vous la mets en lien juste en haut après ma vidéo si vous souhaitez aller la voir pour avoir plus d'explications. Surtout le retour d'un joueur professionnel, bah c'est toujours très agréable, donc voilà, big up à eux parce que la vidéo est vraiment top. J'espère que cette vidéo vous plaira. Ce qui est sûr, c'est que moi j'apprécie énormément ce deck là et je suis très content de enfin faire une update enfin dans mon décor, etc., parce que ça fait un moment que je rejoue Dragon Link et j'avais pas l'occasion de le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des améliorations ou des choses qui selon vous seraient intéressantes de modifier. Je suis toujours bon à prendre, et c'est parti pour cette vidéo. Bon bah let's go pour le petit deck profile. J'ai sorti le magnifique tapis Savage Strike qui ne me sert que à faire les deck profile Dragon Link, c'est incroyable. La partie Rocket pour commencer, j'ai longtemps joué Tracer à 2, et en fait Tracer à 3 c'est juste trop fort, notamment pour la partie Grind Game et la partie Quick Launch, continue à invoquer des trucs. Rechargeur double Rocket, c'est un ratio très classique, Rocket qui est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure normal semaine de deck, parce qu'elle permet elle toute seule de faire rouleur en normal reborn un truc ou normal spé un truc, c'est vraiment juste trop fort. C'est d'ailleurs une très très bonne target à Fibrax. Derrière on a des gros ratios de level 7, pour encore une fois faire 7 plus 1, 8. 3 Absoluteur, parce que il y a trop de cartes sur lesquelles discard Absoluteur, c'est juste trop fort. Noctovision qui va pouvoir permettre de faire des chaînes, qui va permettre de piocher, qui va encore une fois faire 7 plus 1, 8, c'est juste trop fort. Et petit point que je vais faire avec Cypher, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du temps. En fait, sur Cypher, tu peux faire un combo juste incroyable. Normal Cypher, effet, cost Absoluteur, tuto Noctovision, effet Absoluteur, ajoute, par exemple, peu importe, n'importe quelle roquette, à ta main. Et là, du coup, tu as ça ajouté à ta main. Ici, tu vas pouvoir faire Striker. Du coup, vu qu'il y a un Dark qui est spé, tu peux spé Nocto. Effet Striker, t'as terrain. Avec les deux, tu fais sphère. Effet terrain. Enfin bref, c'est juste trop fort. Donc, sachez qu'il est possible avec Cypher de cost, eh bien, tout simplement un level 7 pour tuto un level 7. Il n'y a pas que les costs level 4 ou level 8. Et ça, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne le savaient pas. Et c'est juste trop fort. Rappelle quand même que la roquette, quand elle norme et qu'elle reborn un truc, parce que je l'ai vu souvent, te lock en Dark. Donc, tu peux pas faire normal effet reborn un level 7 et ensuite faire sphère, enfin, ça marche pas, et pourtant je le vois souvent. Donc faites attention à ça quand vous affrontez des Dragon Link, parce que bah, ça peut être un move pas forcément voulu de Shark, mais qui du coup reste pas légal, en fait, tout simplement. Le rechargeur qui est une level 4 très intéressante parce qu'elle permet régulièrement, en fait, de sauver des games avec la fameuse discard, reborn, etc. Ça c'est juste super fort. Le petit Cypher qui, du coup, bah, permet à la suite de tuto les classicos, hein, on va dire. Ça c'est vraiment les deux meilleures cartes du deck. Elles font un grand game incroyable. Ça permet une chain block, etc. C'est juste trop fort. Le Lévianir qui vient casser des bouches. Ça c'est juste ultra fort, parce que détruire sans cibler, ça oblige l'adversaire à répondre, et s'il a des choses à protéger, il va être obligé de répondre à ça, et derrière, toi, tu peux dérouler. Donc ça, c'est juste incroyable. Le Safe Heart qui, au cimetière, va permettre de reborn le Lévianir, enfin, remettre le Lévianir en main. D'ailleurs, tu peux l'utiliser, pas faire effet, l'utiliser comme matos, l'envoyer au cimetière, faire Safe Heart, et le refaire avec effet. Donc ça, c'est juste un très très bon combo, et ça fait du matos gratos, et puis ça reste un ton à 3000. Rappelle que s'il a fait son effet, il ne peut évidemment pas attaquer. Les magies, alors on n'a pas beaucoup de magies dans ce deck là, mais on a les magies les plus craquées du jeu, clairement. Chaos Space qui est une des meilleures magies du deck, qui du jeu, en fait, clairement, je trouve que Chaos Space est une carte complètement craquée, et en plus de ça, elles sont en US les miennes, j'en suis très content. C'est vrai que les US à la caméra rendent pas très bien, d'ailleurs je cherche l'intégralité du deck en US, que je n'ai pas. Si jamais vous avez des US, alors j'ai quelques US, hein, j'ai ça qui est en US, si jamais vous en avez, alors évidemment en max rareté si possible, sauf le Lévianir, parce que du coup le Lévianir existe en ulti, il ne m'intéresse pas, n'hésitez pas à me contacter, ça m'intéresse énormément. Les Quick Launch, c'est pas une hard one per turn. Il y a un move intéressant avec Quick Launch, c'est Quick Launch, pas de réponse,
Droplet cost quick launch, et derrière t'as un cost gratuit, t'as une spé sur le terrain, et l'adversaire, il peut pas répondre, sauf avec un effet de magie, mais si tu costes un autre monstre dans la main, et du coup t'as eu un cost gratuit sur le terrain, ça c'est juste super fort. Le terrain qui permet de rebound, ça, des fois ça sauve des games au grand game. Surtout, un move qui pour moi est très mauvais, c'est de casser le terrain avec Tracer. Alors on peut le faire si vraiment t'as rien d'autre à faire, mais en soi, débrouille-toi toujours pour avoir autre chose, parce que le terrain, pour le grand game, t'as besoin de spé, t'as besoin de continuer de faire des body, puis au pire des cas, t'as besoin, si vraiment tu vas au grand game et que t'es pas très bien, t'as besoin de pouvoir rebound du cimetière. On sait que on va pouvoir facilement recycler dans le deck avec le safer, donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir remettre des savages, tu vas pouvoir mettre des rouleurs, et derrière, lui, il va te permettre, en fait, tout simplement de te sauver dans plein de situations. Donc, ça, c'est vraiment des cartes qui sont incroyables dans le deck, elles font trop le café. Et en fait, c'est tout. C'est-à-dire que j'étais en train de me dire que j'ai autre chose à dire, mais non, ça, c'est le deck. Voilà, ça, ce deck-là, il fonctionne comme ça. Tout le reste du paquet, c'est que des free spots. Donc là, en l'occurrence, on a quand même... Alors, je joue que des N-Trap Light pour la partie Chaos Ruler, pour la partie Discard et Chaos Space. Sachant que ces cartes-là, c'est clairement des cartes qui sont incroyables dans le format. Et Nibiru, ça fait très longtemps qu'il a fait ses preuves. Je joue également 3 droplets, comme je vous le disais, et 2 TTT. Alors, des 2 TTT, c'est juste parce qu'il me restait 2 spots. À la base, c'était des Veiler. Et en fait, je me suis rendu compte que Veiler est pas si fou. Alors que TTT me sauve parfois, parce que des fois, tu mets une hache, elle me gêne pas trop. Et derrière, moi, je peux regarder ta main, enlever une autre carte qui m'embête. Et je fais quand même un board avec Sphere Savage ou Sphere Red Hot. Ça, c'est reste très intéressant. La troisième est dans le side, parce que, en go 1, et même parfois dans certains setups en go 2, c'est une carte qui est très intéressante. Donc main, je trouve que c'est intéressant. x2, c'est suffisant parce que souvent tu vas essayer de commencer avec Dragon Link, donc t'as pas forcément envie de l'avoir, même si ça reste intéressant. Enfin bref, voilà, c'est une carte qui en soi est discutable, mais que moi je trouve très intéressant. Les gammas qui sont juste trop forts. Il y a un move que j'adore, c'est Chaos Space, cost X ou Y carte. Tu sais que c'est trop fort, donc tu vas faire H. Derrière, moi, je fais Gamma. Gamma, tout seul, il dit, je fais Ruler. Je suis Dark Ruler, Chaos Ruler. Donc, Chaos Ruler qui dit, regarde 5 et envoie tout ce que tu as dans ton cimetière et ajoute un Dark et un cimetière. Un Dark et un Light. Ou un Light. Donc, c'est juste trop fort. L'NCA, Flunder, Defuntour, PK parle chinois. Ça permet de craquer même contre les Breath Token, la negate Breath Token, ça veut dire que derrière, si t'as un gamma, tu vas pouvoir faire un gamma également, donc c'est juste trop fort. Et encore une fois, c'est que des lights, on a besoin de beaucoup de lights dans ce deck là pour notamment aller tutoyer des darks avec Chaos Space, ou pour simplement pouvoir reborn des rouleurs. Voilà, ça reste très très intéressant. Et en soi, le deck, il est quand même composé, c'est vrai que j'ai pas compté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donc quasiment un tiers du deck, un petit peu plus qu'un tiers du deck, de N-Trap, donc ça laisse vraiment de free spot, ça laisse vraiment pas mal de liberté au deck, sachant que le deck est pas forcément dépendant de ça. Si t'as une main avec 3 N-Trap, ça te gêne pas forcément. Si t'en as une main sans, ça te gêne pas forcément non plus. C'est-à-dire qu'il y a plein de boards que tu peux passer juste avec des baits de roquettes, et derrière tu fais tes plays, tu déroules. Les 3 synchros du deck, j'ai pas besoin de les présenter, je crois. Red Hot qui est juste super fort, qui permet de ramener un tuner, ça fait vraiment des plays juste incroyables. Le Chaos Roller qui est magnifiquement puissant, parce qu'il permet en fait des létales super simples avec Boreal Sword. Tu utilises ça, plus 2 autres matos, tu fais Boreal Sword, tu le rebordes dans ton cimetière, 3000, t'as gagné. Savage, juste incroyable, tu peux le remettre dans ton deck, les deux là tu peux les remettre dans ton deck avec Seifert. Et puis Red Hot qui reste une negate très oppressante sur le terrain, il a 3002, il y a plein de monstres qui le passent pas de base, parce qu'il y a plein de decks qui ont pas forcément des outs à plus de 3000, donc intéressant. Le Striker et le Pisty, alors Pisty pour moi c'est une carte qui est très secondaire dans ce deck là, tu la sors pas très souvent, en fait on n'a pas forcément besoin dans ton deck, mais vas-y, une reborn du cimetière dans une zone pointée, dans certaines situations c'est juste trop fort, donc évidemment on la joue. Le Striker x1, c'était nécessaire de le mettre x1, hein, je pense, même si au final x1, avec Chaos Space tu peux facilement le remettre dans l'extra, donc ça veut dire que tu peux le refaire régulièrement, ça reste pas si gênant, même si c'est pénible, ça reste pas si gênant. Ensuite, le Link 2, la Seal qui est juste beaucoup trop forte, parce que Seal va permettre de spé une carte qui va continuer de te faire du CA. On a des plays, des moves intéressants, par exemple, tu spé Nocto, et t'as une IP sur le terrain, avec tout ça, tu fais une apo, et du coup, tu pioches 1 pendant le tour de l'adversaire, ça reste pas négligeable. Pareil, j'en ai une seule en US, on voit bien la diff, là, je pense. Ouais, j'en ai une en US et une en EU, elle est trop belle, clairement. Le Quadbo qui sauve des vies, très clairement. Des fois, tu discardes 1, tu utilises Quadbo, tu fais juste Savage, et avec tu le rééquipes avec lui, c'est juste trop fort, parce que parfois, juste Savage à 3005, 2 negate, ça fait tenir 2 tours, et c'est juste suffisant pour gagner. Le petit Fibrax qui va aller chercher la petite roquette,
qui derrière va permettre par exemple de spé un level 7, qui fait un savage ou qui fait un ruler, et derrière tu utilises le tout, tu fais autre chose, c'est juste très très fort. La dark, je sais même pas si on a besoin de l'expliquer, hein. Clairement, tu peux voler des DPE, tu peux voler des savages ou des rouleurs adverses. Tu t'en fous. Tu voles juste un monstre. Derrière, si par exemple sur le DPE, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de le garder un maximum de temps. Comme ça, l'adversaire peut pas le rebound. Il est sur ton terrain. T'es pas obligé de le casser. Enfin, ça reste très intéressant. Et la dark qui permet de faire, si t'as, par exemple, t'as un monstre plus une dark, avec dark, tu vas rebound un monstre. Avec les deux, tu fais un unicorn. Avec unicorn, tu shuffle 1, on discard 1, avec les deux tu fais access code, tu vas pouvoir taper et casser 2, voire 3 si t'as réussi à mettre Fibrax, voire 4 si tu as la petite Apollosa au cimetière, et derrière bah tape, puis t'as gagné quoi, tout simplement. Donc c'est juste incroyablement fort, sachant que on a toujours, si t'arrives à faire access code avec Unicorn, il a 5003, et derrière si tu ramènes Ruler, bah t'as 8003, donc du coup t'as l'étal et t'as gagné. La petite IP dont je parlais, c'est une très bonne carte dans le format. La partie contrôle de IP est très oppressante, sachant que du coup, le monstre va pas pouvoir être détruit par effet de carte, donc ça rajoute un côté un peu pénible. Unicorn, qui va permettre de discard shuffle, comme je disais juste avant, puis c'est un lien 3, donc pour access code, bah, ça reste cool, parce qu'il passe à 5003. Et derrière, on a une Apo, qui sort pas souvent, mais quand elle sort, elle est plutôt cool. Encore une fois, on a des setups très faciles pour pouvoir bien simplement faire des liens 4. Et derrière, le petit Boreal Sword, Dragon Link est un des seuls decks qui peut encore jouer Boreal Sword, puisque le format est plus axé sur du Code Talker ou sur du contrôle avec du DPE ou ce genre de choses. Et Boreal Sword, en fait, c'est que s'il est là, c'est que t'as déjà gagné. Il y a peu de chances que si tu le joues intelligemment le deck, si tu sors Boreal Sword, c'est que techniquement t'as déjà gagné. Et généralement l'adversaire, bah, il va rapidement scoop tout simplement la game. Le Quacky, alors lui il rend fou, hein. Ça c'est une carte que je joue en side, notamment quand je go 1 la troisième, parce que ça me permet de voler des games en fait, tout simplement. Tu sors ça contre un Leash par exemple. Bah, il va pas stun, en fait, tout simplement, il a rien pour l'out, et derrière, toi, t'as juste à faire des petits hits, révéler des dragons tous les tours dans ta main, ou au pire, tu le casses à la fin de ton tour à toi, et tu sais que tu vas contrôler l'adversaire, enfin bref, c'est juste beaucoup trop fort, et puis ça reste une 1900-1600, c'est pas dégueu dans tous les cas. Le Trapiter, alors j'avoue que Trapiter, je m'en sers pas trop souvent, mais vas-y, casser un skill drain, c'est quand même pas mal, sachant que ça se tuto, évidemment, avec... le petit Chaos Space, donc tu discardes un light, tu tutoes ça, tu casses une magie continue, hein, une piège continue, ça peut être un Tissibou, ça peut être un skill drain, ça peut être un limiteur d'invocation, pof, tu le spé, et derrière, même si c'est un tuner en fait, donc derrière tu peux faire des rouleurs, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est assez facile. Le Pankra, parce que j'avais un spot, et parce que Pankra en go 2 est pas mauvais, ça va forcer des DPE par exemple, donc ça reste intéressant. Droll, qui je trouve est une très bonne carte dans le format, même si j'étais très surpris récemment en jouant contre des Drytron. Big up à toi John si tu regardes la vidéo, parce que Droll fait plus grand chose sur Drytron. Voilà, j'étais quasiment sûr, je joue contre Drytron, je sors Droll, je me suis dit bon bah vas-y, il va pas se turn. En fait il m'a sorti un board du futur, peut-être qu'il avait une bonne main, j'en sais rien, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que, pas forcément contre Drytron mais contre plein de decks du format actuellement, la carte est très forte. 3 cosmiques et un plumeau pour tout ce qui est match-up back row. Les cosmiques qui ont certains match-up où tu sais que tu vas go 1 et qu'il va vouloir set une carte, bon bah ça reste intéressant de l'avoir. Et puis bah payer 1000 pour en bannir 1 si derrière ça te fait gagner la game, c'est quand même pas grand chose. La fameuse dernière TTT et le Red Reboot, et puis probablement une des cartes qui est le plus sous-cotée dans le format, je la trouve incroyablement forte, c'est l'Evenly. Evenly, parce que quand tu dis battle et que l'adversaire il a pas de réponse, ben je te jure qu'il commence à parler chinois. Tu dis battle, il va te regarder, j'ai la petite goutte de sueur, et tu dis fin de battle, tu dis tu dois tout bannir sauf un, et là il va regarder genre ah bah oui bah du coup je vais casser des PE machin, t'es obligé de forcer plein de trucs pour qu'il est obligé de forcer, ça force des trucs en fait, parce qu'il va casser des PE avec autre chose pour pouvoir avoir une negate machin, derrière s'il joue Brave Token il est obligé, derrière tu vas lui bait en avant son griffon, comme ça derrière tu mets ça et du coup il est obligé de garder token, et donc du coup c'est vraiment très contraignant pour lui. Donc voilà pour le side. Franchement j'ai joué beaucoup ce deck là récemment, j'ai fait des locaux, notamment des locaux que j'ai gagné, j'ai fait un top 4 récemment avec exactement la même version, je crois que j'ai juste changé, non je crois que j'ai rien changé du tout, peut-être une carte dans le side mais je sais pas, et le deck en fait, si tu sais le jouer, si tu le laisses tourner avec tes connaissances, bah, en fait il te récompense et il marche super bien. Et bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de donner un maximum d'informations.
pourquoi telle carte et telle carte, qu'est-ce qui était vraiment fort dans ce deck-là, quelques petits tips avec Seyfert, etc. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était assez simple, assez rapide. Ça reste un deck profile qu'on peut trouver en grand nombre sur YouTube, mais j'essayais d'apporter un peu ma patte et mon savoir sur le deck, même si, bah, encore une fois, Dragon Link, c'est un deck que je joue depuis très longtemps, donc il y a sûrement plein de choses que je répète à nouveau au fur et à mesure des vidéos. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne récemment, notamment avec la vidéo bien du setup. Ça me fait extrêmement plaisir de vous voir ou de vous revoir. Peut-être que vous aviez simplement été désabonné par YouTube ou j'en sais rien. Prenez soin de vous, prenez un duel et collection de cartes. Surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!